Voilà, donc la vie au grand air était à la journée des associations où elle a donc répondu pour les inscriptions sur les 35 sports qu'elle pratiquait. Et vous allez pouvoir suivre une partie du sport santé qui a été mis en place pour suivre la semaine Santé vous sport du ministère. Nous voici donc à la journée des associations et sur le stand Sport Santé où de nombreuses personnes viennent tester leurs capacités au niveau du volume pulmonaire, au niveau de la masse musculaire, masse graisseuse. Un test aussi de contrôle de la récupération cardiaque. Avant l'action, pendant l'action et tout de suite après pour voir les récupérations. Donc différents tests qui permettent aux gens de se rendre compte un petit peu de leur capacité physique, disons théorique, et ensuite des ateliers ludiques avec différents ateliers, avec des ballons, avec des sangles, avec des plots, pour voir l'équilibre, pour apprendre l'équilibre. Donc effectivement, avec également des panneaux en branche. Alors ce sont que des bénévoles qui organisent tout ce stand, ces stands. Là-bas, vous avez les équilibres avec les ballons également. Le principe, c'est de s'asseoir dessus, de voir son équilibre. Voilà, des mouvements de coordination avec des ballons. On parle d'équilibre. On parle de pratique aussi, la façon de se porter de se comporter lorsqu'on porte un poids, lorsqu'on transporte. Voilà, vous avez le pôle équilibre avec ces disques qui sont en demi-rond et qui permettent également de travailler l'équilibre sur un pied, de travailler. Voilà, le travail sur les plots qui permet aussi un équilibre et puis aussi de travailler la rapidité. Sur les déplacements, le travail avec les cordes à sauter, aussi pour travailler la synchronisation, la détente et le rythme cardiaque. La gymnastique avec les Swiss balls. Permettent également de travailler l'équilibre, de travailler les abdominaux, le tout en douceur. Voilà des principes d'équilibre également. Donc nous comptons transporter ce stand par la suite, peut-être dans les maisons de retraite, dans les écoles, et dans les forums seniors, enfin différents forums, pour faire comprendre aux gens qu'il faut s'occuper et faire bouger leur corps. Parce que sans cela, on vit moins bien.